Manne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Trop tard. Maintenant, c'est au choix. Il planque son couteau où il veut, soit complètement derrière, soit sur le côté. Mélangez tout ça, hein. Soit devant. Il prend, on se déplace. Range-le quelque part. Je l'ai vu. Ah, ça va être plus chiant pour toi. Alors regardez où il a foutu le couteau. Oh, quoi que, il dégaine bien. Maintenant, vous choisissez votre technique. Testez de tout. Essayez de mixer. Il met la main, il se déplace sans rien, voilà. Et il met la main là. Je tape, je me casse. Soit je tape en attrapant, peut-être. Et je peux partir. Des fois, ça, la situation s'échappe. Hein. Ah, je pensais l'attraper, il transpire, il pleut, le cochon transpire. Eh bien, ça fait ça. Mais ce que je veux faire, c'est ça. Courez vite, hein. Avec un peu de chance, je vais bousiller. Ensuite, soit je rentre complètement et là, j'agrippe. Et vous pouvez même... Ah ouais, mais ça, la situation m'échappe. Mais peut-être tu passes sur l'autre. Peut-être. Et là, par contre, tu ne le loupes pas. Donc, vous mélangez tout ça. En plus de ça, avant ça, vous allez scénariser un peu plus. C'est moi qui te le fais. Tape pas. On en revient à ce que je disais. Je peux te taper, mais tu n'as pas le droit. C'est moi le prof. Bien. Donc, j'ai mon couteau planqué. Mais avant ça, petit scénario. Qu'est-ce que ça? Bouge pas. Qu'est-ce que t'as? Et maintenant? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une claque. Tu veux bien? Je te dis pas de claque, t'inquiète pas. Une tarte, ça va pas nous tuer normalement. Ça oui. Les priorités. Où sont les priorités? Ok. Garde la main. Mets-moi une tarte. Appuie. Putain, con. Pulsion. Parce que, bobo, parce que, ego. C'est psychologique, hein. On a tous un ego, hein, faut pas rêver. Hein. Mais il y en a, ils le font passer au premier plan. Et ils s'entraînent à le conditionner. Pendant qu'il me tarte, je dois être conscient que vous pouvez... Bon, si vous vous connaissez et que vous voulez faire passer un palier au-dessus, allez-y un peu, si vous vous connaissez. Ou si vous voulez faire connaissance. Ton prénom, c'est... Tiens dans ta gueule. Enchanté. Je déconne. Voilà. Et pendant que, à vous vite, putain, le couteau il est où? Est-ce qu'il est déjà sorti? Ou est-ce que j'ai encore le temps d'y aller? Laissez lui le temps quand même de travailler. Si c'est une tarte dans la gueule poignardée, c'est mort. Mais vous comprenez juste que voilà. Et n'insultez pas, mais gueulez-vous dessus. Pour l'instant, tu fais rien. Mange-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Trop tard. Ça. Je dis de rien faire, c'est normal. Donc juste pour vous bouger un peu, et vous allez voir, c'est con, mais que quand quelqu'un vous parle, votre cerveau inconsciemment, est-ce que j'écoute? Est-ce que j'agis? Plein de choses comme ça. Plus, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça va être pire. Et en plein milieu, vous sortez l'arme. Et s'il n'a pas vu, vous touchez doucement, parce qu'avec ça, vous pétez une côte. Hein. Est-ce que ça va sur la consigne? Et adaptation, improvisation. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.